Lundi 16 juillet 2018, Jesta et Benoît ont fait leur retour dans nos petits écrans dans la villa, la bataille des couples, TFX. Une aventure au cours de laquelle les candidats révélaient donc que Lambda, Lille ou Trésor, en 2016, ont affronté cet autre couple dans des épreuves physiques dans le but de remporter 50 000 euros. À lire aussi Elan Pompeau, ses révélations surprenantes sur la fin de Grey Anatomy. Caroline Turbide, ses révélations surprenantes sur son accouchement express. Véronique, 12 coups, sa révélation surprenante sur ses admirateurs secrets. Et le beau brun était tellement à fond dans la compétition qu'il a perdu du poids lors du tournage. Benoît a perdu 5 kilos, il sait que dans Koh-Lanta. Avant et après les épreuves, il ne mangeait pas. La compétition lui a coupé la faim. C'est le seul qui a perdu 5 kilos, nous a confié Jesta. Elle, en revanche, n'a pas caché avoir pris du poids, j'ai pris 3 kilos. Difficile en effet de manger sainement, lorsque l'on participe à une émission. Mais, nul doute qu'elle perdra rapidement ses kilos, puisque depuis plusieurs mois, elle s'est mis en tête de faire plus attention à son alimentation. La raison? Après Koh-Lanta, j'ai pris 22 kilos en 6 mois. J'en ai perdu 15 depuis je crois. Après le tournage, on était obsédé par la bouffe, et notre corps stocka deux fois plus, parce qu'on l'avait privé pendant 42 jours. Le jour où je m'en suis rendu compte, ça a été un gros choc pour moi. Je me suis reprise en main, j'ai arrêté les grignotages et les fast-foods pour privilégier une alimentation saine et équilibrée.